de venir. Qui est sorcé parmi vous? On vous a forcé pour venir ici? Hein? Monsieur, monsieur, c'est un sniper. Au lieu d'aller à Bagdad, là-bas, tu as aidé les gens. Toi, tu es sniper dans Bruce. Viens ici, madame. Tu es sorcier? Oui, papa. Viens ici. C'est moi qui t'ai mis les paroles dans ta bouche. Regarde là, regarde là. C'est moi qui ai mis la parole dans ta bouche. Non, papa. Anne, c'est quoi ça qui t'a mis là sur la côté? C'est quoi? Non, c'est. Hein? Comment? Yes, Abidjan. Est-ce que c'est le prophète qui t'a dit de venir? Non. Tu es venu, c'était pour quoi? C'était pour me délivrer. De quoi? De sorcellerie. Vous avez compris? Ben, il y a les gens qui sont souvent avocats du diable. Quelqu'un dit qu'il est venu pour la délivrer de sorcellerie. Donc c'est ce que la personne connaît qu'il va faire. Ah, moi, c'est quand vous voyez un médecin, excusez-moi, et puis le médecin il va faire une injection, vous avez peur de dans vos fesses. Il va laisser ça. Ce n'est pas les fesses qui l'intéressent, c'est le médicament qu'il met dedans là qui va vous guérir. Moi, c'est ma méthode. Si ça te plaît ou ça ne te plaît pas, je délivre le sorcier. Donc, par moi, fermez la bouche et aidez-nous à aider les gens à sortir de la sorcellerie. Parce que nous délivrons les sorciers et puis nous délivrons les victimes. Quand il y a les sorciers, ça veut dire qu'elle a tué, n'est-ce pas? Tu as tué, non? Oui, papa. Vous comprenez? Mais sorcier dit qu'il en a tué. Pour moi, un sorcier, là, ça pourrait aller faire soleil, ouais, sauter, s'amuser. Oh. C'est pas pour aller s'amuser, c'est pour manger l'homme. Manger. Djumbli. Voilà. Chikliki. Tu as tué? Oui, papa. Tu as tué qui? J'ai tué ses clients. Tu as tué tes clients? Mmh. Comme une dame, ça c'est plus sorcellerie, hein. C'est vis-à-vis. Et tu es vis-à-vis, c'est ça? Sorcellerie mélangée. Hein? C'est mélangé. Attends, pardon. Vous laissez faire sorcellerie mélangée. Vous l'amenez sur la terre, souvent vous l'amenez là-haut. Quand c'est quelque chose sur la terre, vous laissez sur la terre. Ok, pourquoi mélanger? Quand quelque chose est sur la terre, tu nous laisses sur la terre. Comme ça, on va comprendre mieux. Tu as mis des médicaments dans des souris, dans manger là. Ton client vient, et puis tu sais que Zadi est là. Puis tu le sais, tu mets des médicaments dans ça. Oui, puis tu le tues. Oui, puis tu as tué combien de personnes? 6. Ah, ah, vous criez ah. Voici le travail qu'on fait. Bon, une personne qui fait ça, on la met aux arrêts. Spirituel, n'est-ce pas? Oui. Et puis on sait que c'est un esprit qui l'anime, n'est-ce pas? Parce que, écoutez, en Europe, là, il y a une forme de sorcellerie qu'on appelle les tueurs en série. Eux, ils sont là, ils veulent tuer. Et puis les gens les tuent comme ça. Donc il y a les gens qui sont possédés de cet esprit-là. Ils ont envie de tuer. Donc tu as tué 6 clients. Oui, papa. Tanti, tu vendais quoi? Je vendais manger. Il y a quel bien là-bas? Edison. Ah, bien de Bruce. Oui. Tanti, il y a un bien de Bruce, hein. Doudé, 1000 francs. Tu vends les plats combien? 1200. Voilà. Tanti, donne-moi 1200. Donne-moi la pâte là. Elle dit, ok, j'ai compris. Hein, mes petits qui m'a aidé dedans. Son magie là, c'est médicament de. Médicament de quoi? Kafa. Kafa. C'est quoi on prend pour tuer Kafa là, non? Oui, papa. Elle met dedans. Elle dit, tiens, mange. Tu manges, arrivé chez toi, tu sais, petit ventre. T'as dit, mange un amusement. Direct Mauritanie. Tu dis, viens Mauritanie. Ok. À part ça, tu as fait quoi? Mes enfants. Ok, pour t'es quand tu dis mes enfants, c'est qu'il y en a plusieurs. Tu as gardé quoi? La vie de ma fille. Ah, tu dis mes enfants. Mes trois enfants. Ok, donc dis le nom des trois. Commence par une personne, les trois enfants, on va délivrer. Attendez, ce que je suis en train de dire là, oui, papa. C'est quelque chose qu'on a mis dans ta bouche. Non, papa. Parce que pourquoi on fait le live maintenant? Pourquoi on fait le direct? Pour montrer aux gens que ce n'est pas du montage. On ne fait aucun montage ici. Tout le temps, ça a été comme ça. Nous les délivrons. Et c'est la méthode qui délivre tous les sorciers d'ailleurs. Ici, c'est la dernière fois, je lui ai dit de partir, lui, il ne veut pas. Si tu ne veux pas parler, tu vas. Hein? Ils sont une fausse personne. Tu ne veux pas parler, allez, tu t'en vas. C'est toi. Quand tu t'en vas, tu vas un petit boisson. On t'accompagne à quelque chose. Hein? Est-ce qu'on t'a forcé pour parler? Non, papa.
Est-ce que c'est le prophète qui a fait montage, qui t'a dit de dire, moi j'ai gagné quoi à faire ça? Non, c'est le travail le plus difficile. Moi, quand il m'a amené, il dit, mais c'est quel travail Dieu m'a donné ça? J'ai mangé quoi? J'ai mangé. C'est un travail qui est difficile. J'entends l'ombre des journées des salités seulement. Ah! Elle n'a pas de travail. J'ai mangé et tué. Vous pensez que c'est le travail ça? Et tu as fait quoi encore? J'ai marié ma fille. Hein? Ça veut dire quoi? Je ne sais pas que c'est marié. Non, il faut expliquer marié là, ma fille. Je suis en lui quoi? Ça c'est encore grave. Il est là. Vous vous connaissez? Non. Et comment il dit les bouts sur le corps là? T'as ta vie complète. J'ai dit. Tu dis tu maries ta fille, ça veut dire quoi? Bien faire l'amour avec elle. Hein? Comment tu fais l'amour? Comment tu fais l'amour avec ta fille? Bien. Vous êtes nombreux, hein? Yes. Ah, c'est toi qui as dit tu fais l'amour. Je t'ai demandé comment tu fais avec tes femmes et les femmes. Toi, tu fais comment? Et puis tu fais l'amour. Tu es lesbienne ou bien? Nous donne. Je la prends comme une lesbienne. Faut pas jouer mon esprit. Quand tu dis tu sors avec la fille, ça veut dire que toi tu as un kiki, c'est ça? Puisque tu veux pas qu'elle se marie. Donc toi tu es son mari de nuit. Ah, mais faut expliquer ça. Tu parles de sorcellerie avec les lesbiennes là. Hey, lesbienne. Tu penses que là, vous avez besoin d'elle. Si tu es lesbienne, c'est sorcellerie toi-même. Tu sors avec elle comment? En faisant l'amour. Donc tu as kiki. C'est que les garçons ont, tu as ça. Sorcellerie. Ah, mais c'est sorcellerie, ils sont venus parler. Ta sorcellerie. Tu me perds le temps. Je dis ta sorcellerie. Mais explique. Ta sorcellerie, je me couche avec elle. Mais explique ça, explique ça. Explique comment tu fais. Puis le kiki vient, puis tu allais coucher. Elle est où? Elle est à Paris. Et donc tu vas là-bas? Non, c'est quand elle était ici là. Hein? C'est quand elle était ici là. Tu couchais avec elle? Oui. Donc toi, ta société, ça ne traverse pas l'eau. Ça n'a pas avion. Non. Hein? Non, papa. Je t'écoute. Hein? Non, papa, elle ne va pas dire au revoir. Ah. Attends, hé, société, société qu'on est avec le revoir. Attends, tu es en train de jouer ou bien non, tu es. Non, papa. Non, papa. Attends. Madame. Oui, papa. Si vous voulez pas parler. Attends. Hé, hey, regarde-moi. Si tu ne veux pas parler, si, non, tu dégages. De... Non, si tu ne veux pas parler, dégage. Il dit, je me couchais avec elle. En faisant l'amour. Quand tu fais l'amour à une personne qui voyage, toi, sorcier, là, tu couches la personne là-bas. Sur le côté d'elle, je suis là. Partout est passé, je la suis. Mais quoi tu dis que non, tu l'as. Pourquoi tu dis ça? Attends. C'est devant vous, elle. Elle ne se marie pas. Elle n'est pas mariée. Non. Donc tu ne veux pas qu'elle se marie? Je ne veux pas. Attends, tu es contente quand ta fille ne te marie pas? Non, papa. Tu es contente? Non, papa. C'est pour ça que je suis venu. Arrête tes conneries. C'est pour ça que tu es venu comme. Elle ne se marie pas, tu es contente? Donc, j'ai appelé les jaloux. Dans la société, il y a jalousie là-bas. J'ai appelé les jalousies dans la société. Jalousie. Je suis en train de demander. La jalousie. Donc, pourquoi ta fille va te marier? Et c'est pas. Donc, quand ta fille n'est pas mariée, c'est pas bon pour toi. Une fille, elle doit se marier. La maman doit prier pour que sa fille se marie. Et toi, tu es là pour. Tu veux pas. Tu es la base du problème hein, du mariage de ta fille. Tout ça dans le même? Non, papa. Aidez-moi. Aidez-toi. Aidez-toi quoi? Aidez-moi à la libérer. Libérer comment? À la libérer, j'ai. À ma tête de sorcellerie. Et tu l'envoies où? Après que tu couches avec elle, tu l'envoies où? Je l'envoie derrière la maison et puis elle se lave. J'ai dit, après que tu couches avec elle, tu as fait quoi dans sa vie? C'est pour ça qu'elle ne se marie pas là. Tu as compris? Oui. Elle ne se marie pas. Oui. Donc tous les gens qui l'approchent, ça se gâte. Oui. C'est toi qui fais ça? Oui.
Ok. À part ça, tu as fait quoi encore? Mon fils, elle m'a donné l'argent. Donc, la même fille, tu as fait quoi? La même fille. Non, on n'a pas fini. Moi, je reviens là-dessus. Tu dis la dernière fois, tu l'as attaché. Pourquoi tu ne parles pas de ça aujourd'hui? Ça, je l'ai attaché en faisant ça là. Là, tu passes. Non. Il y a attaché. Attaché, ça veut dire que je l'ai attaché après. Tu as bien expliqué. Si à sous la cassière là. Ah, mais oui. Sur la cassière. Là, c'était dans son enfance là. Donc, je l'ai attaché pour qu'elle soit ma femme. Vous voulez faire quoi? Pour qu'elle soit ma femme. Attends, toi-même là. Oui, papa. Est-ce que tu veux être délivré? Oui, papa. Vas-y, les personnes qui sont en train de jouer. Non. Hein? Moi, je suis obligé de la laisser partir. Je l'ai attaché pour ne pas qu'elle se marie. Donc, elle soit tu ma couches femme. Avec elle pour ne pas qu'elle se marie. Maintenant, tu l'as attaché, c'est pourquoi? Je l'ai attaché pour ne pas qu'elle. Sorcier attache pour tuer. Non, il y a des signes, il y a des choses, étape par étape. Sorcier, là, quand sorcier t'a attaché, c'est pour te tuer. Quand tu lèves bœuf, tu penses que c'est bœuf pour dire attaché, mouton, comme on élève nos bœufs ici. Quand sorcier attaque quelqu'un, c'est pour le tuer. Quand tu couches avec elle, c'est pour dire pour ne pas qu'elle se marie. On connaît un peu les choses. Tu es en train d'en côté des bêtises là. Attends. Pour la tuer, non, pour je la n'aime tuer, pas. Puis... Maintenant, comme on m'a dit de donner, je dis non. Il faut qu'elle soit mon mari. Ta femme est ton mari. Il faut qu'elle soit ma femme. Donc c'est pour ça que je l'ai. Fais l'amour pour ne pas la tuer. Pourquoi la tuer? C'est comme ça m'a dit. Qui est ta dit? Des amis. Quels des amis? Mais quand des amis te disent, tu peux aussi dire non? Ta prof, elle a fait 9 mois ou 2 jours dans ton ventre. Combien de jours elle a fait dans ton ventre? 9 mois. Ah. C'est 9 mois là, toi tu m'attraites. Je te demande. C'est 9 mois là, toi tu m'attraites. Oui, et puis toi tu viens pour qu'il te délivre. Hein? Oui, papa. Pourquoi? C'est pas bon. Ah, c'est maintenant tu disais. Tu fais ça après, puis tu vois, tu regrettes. Tu regrettes. Tu regrettes. Tu connais pas l'église? Toi-même là, tu connais pas l'église? Après. Je te demande. Si je vais sur Dieu maintenant. Hein? J'ai vu que c'est pas bon. Tu vas suivre Dieu quel jour? Ça va être Dieu là qui est bon. Suivre Dieu, c'est ça qui est bon. Il y a gagné qui encore? Bon, le deuxième. Il a pris son argent pour. Et là, son argent. Il distribue son argent. Il veut quoi? Il distribue son argent. L'argent ne reste pas avec lui. Ça fait comment? Il a parlé sur son agent là. Il t'a donné l'argent, tu as parlé sur ça. Oui. Comment il s'appelle? Il s'appelle Poissy. Oui, il ne faut pas qu'il ait l'argent. Oui. Donc tu as gâté son agent. Oui. Tu as gâté qui encore? Comment tu as parlé? Comment tu as parlé? J'ai dit l'argent tu me donnes pour partager aux gens. Si tu gagnes, il faut partager. Pour partager. Donc elle gagne, quand il gagne, il partage. Ça ne reste pas. Ça ne reste pas. Oui. Ça reste pas. Là, elle reste pas. Oui. T'as gardé qui encore? Depuis mon neveu, il est venu chez moi passer vacances. Mm-hmm. Donc je lui ai donné l'argent pour aller s'inscrire. Mm-hmm. Donc j'ai parlé dessus pour ne pas que son école réussisse. Mm-hmm. Donc il parle comment? Il dit qu'il ne faut pas que son école, faut pas qu'il va se réussir. Mm-hmm. Donc il est parti, il se passe d'esprit. Et tu as fait quoi encore? Puis ma dernière, je lui ai donné le mot de ventre. Oh, comment tu as fait? Donc Kikil encore? C'est Kikil encore? Oui. Hein? Elle, j'ai mis une boule dans son... Comment tu as fait? Belle de carité. Mm-hmm. Ça, j'ai mis dans le mot de ventre. Comment tu as fait? J'ai mis un truc... Kanimba. Quel Kanimba? Spirituel. Oui. Comment tu as fait? J'ai pris belle de carité pour mettre dans son anus. Et c'était quoi? C'était pour que son ventre n'ait pas qu'elle fait enfant. Pour ne pas qu'elle fait enfant? Quand elle va avoir
toute règle, ça lui fait mal au ventre. Règle douloureuse. Comment tu as fait? Je veux que tu expliques un peu. Beurre de caillou. Ah non, mais les enfants font grandir pour nos enfants. Hein? Le petit vient, il vient Kalimba. Le petit pleure sûrement. Les mémés, les uns purifient les enfants. Un enfant, la vieille veut le purifier, elle écrase le médicament. Tu ne sais pas où la mémé. La voici, elle va prendre le médicament, elle écrase. Elle veut purifier. Oh, voici la vieille, la dame, elle dit, elle met Kalimba, sa fille. Et donc toi, tu viens voir tes enfants souffrir. Ouais, ouais. C'est comme si tu es mazo. Tu viens voir les gens souffrir. Non, papa. Ah, explique, mais c'est vrai. Non, papa. Ah non, comment? Donc c'est quand elle souffre, tu dis non, comment? Tu gagnes quoi? C'est un plaisir? Tu gagnes rien? On t'écoute, hein? Tu gagnes rien, papa. Tu gagnes rien, papa. C'est mauvais. Qu'est-ce qui est mauvais? Tout ce qu'on fait là, c'est mauvais. Je fais tout ou bien? Ce que j'ai fait là, c'est mauvais. Ah, tu appelles la ça sorcellerie là, c'est pas bon. La sorcellerie n'est pas bon. Mais on te dit de quitter. Oui, je vais. Toi, tu es dans la sorcellerie. Quitte. Tu es dedans. Quitte, tu es dedans. Dieu merci, je suis arrivé vers vous. Hein? Je sais que je serai délivré. Tu sais, je serai délivré. Vous faites comme chat ou balader. La nuit est faite pour dormir. Vous, c'est là où vous en. Hein? Tu ne vois pas. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Après, tu. Hein? Quand tu vas faire l'amour avec ta fille, tu ne vois pas dedans. Tu ne vois pas dedans. Hein? Non, je veux dire que non, explique. Je réponds à ma question. Quand tu fais l'amour avec elle, tu ne vois pas. Je vois. Ah. Quand tu mets un canimba, tu ne vois pas. Je vois. Il faut arrêter de jouer la comédie. Hein. Je vois. Si tu veux te pardonner, tu vas te pardonner, mais arrête de jouer la comédie. La sorcellerie, ce n'est pas de l'amusement. Toi, tu es une mère. Toi, tu es maman. Tu es une mère. Tu dois protéger. Pas toi, c'est toi qui gâte. Tu es tout ça normal? Non, papa. Hein? Et puis le problème, c'est que toi, tu as le secret. Tu sais pourquoi elle souffre? Et puis, non, ça va aller. Or, c'est toi qui es la base. Tu sais ça? La fille à Paris, tous les garçons, là, personne ne veut la marier. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je vais quitter dedans. La sorcellerie n'est pas bon. Dieu n'a qu'à m'aider. Que je quitte dedans. N'a pas t'aider. Oui, papa, je sais que je suis arrivé ici là. C'est fini. À part les clients là. Les clients, tu as tué physiquement, spirituellement, tu as tué combien de personnes? C'est 6 là. Non, ça c'est les empoisonnés. Maintenant, spirituellement, l'autre côté. Et toi, tu fais pour toi 2 fois. Vrai, et puis l'autre côté. L'autre côté là, tu as tué qui? L'autre côté là, c'est la fille de mon homme, l'enfant de ma fille, de ma soeur. L'enfant de ta. C'est ta nièce quoi? Oui. Comment tu l'as? C'est ton neveu. Oui. C'est un garçon. Oui. Comment tu l'as tué? C'est poison, la même poison là. Ah, c'est poison encore. Oui. Comment tu fais? Là, il a une diarrhée. Comment tu l'as fait? J'ai mis dans manger. Ah, donc toi, on ne peut plus mettre en outil. Tu fais quoi? Les gars, quand vous donnez un plat, priez c'est ça, hein? La Bible dit que tout est sanctifié par la prière. Ah, je vous ai dit, oui, je disais tout à l'heure. Moi, je ne peux pas confesser aux gens à 100%. Hein. Moi, oui, non. Je te salue, mais tu vas confiance. Non. Tellement qu'il y a vu des vilaines choses, entendu des vilaines choses, la sorcellerie. Les... Donc, toi, tu tues ton neveu. Oui, papa. Tu as mis médicaments dedans. Oui, papa. Il a mangé, il est mort. Oui, papa. Et tu as dansé. À Bongo. C'est votre danse, Baoulé, ça. Tu as fait quoi encore dans la famille? C'est tout ça, mon neveu là. C'est mon neveu là. Oui, il a gâté son école. Tu as tout dit? Oui, papa. Ah, bah, si tu n'as pas tout dit, c'est tu vas avoir les problèmes. Hein. C'est tout, papa. Je t'ai rien dit. Moi, je ne te force pas. Hein. Oui, papa. Si tu n'as pas tout dit, tu auras les problèmes. Vous êtes tous en sorcier. Monsieur, venez ici. Hé, hey, tu es là? Tu es là? Tu peux, hein? Pourquoi tu n'es pas parti?
Pourquoi? Hein? Toi-même, Nathan, tu pourrais venir à l'église. Quand on te regarde comme ça, là, tu n'es pas prêt pour aller à l'église. La nuit, tu t'envoles pour lui. Ah, Guillaume. Pierre, Dieu va parler. Laisse-nous manger dans le petit, là-bas. On a dit quoi? Elle va dire quoi? Elle dit que c'est la soeur de son mari qui l'a dans la sorcellerie. Elle dit la sorcellerie que la soeur de choses. Son mari a donné, donc elle a transféré ça à son petit-fils. Mm-hmm. Elle a donné à son petit-fils. Oui. Mm-hmm. On n'a pas son. Elle-même son garçon. Elle ne dort pas, ni bien elle ne dort pas. Elle-même son fils. Elle a tué son propre fils. Comment il s'appelle? On n'a pas son nom. René. Il s'appelle René. Comment tu as tué René? C'est la toux. Tu as ajouté la toux sur lui. Elle dit elle a transformé, puis elle l'a injecté. Mm-hmm. Et puis il est mort. Oh non, il est mort. Elle a mangé. On a dit, il lui a dit. Elle dit oui, elle a mangé. Okay, quelle partie elle a mangé? C'est pas très bon ça. On est côté au Brahma, en Guyane, pourquoi en Guyane? Non, pour toi. Elle dit c'est pas un chèque à manger. Non, on lui demande la partie qu'elle a mangé. Tu connaissais pour les autres? Oh, pourquoi en Guyane? Elle est son pied. Non, elle a mangé tout. Ah, on n'a pas beau. Si elle fait ça, il a laissé. Ce matin, elle dit que c'est sa manière de parler. Non, il n'y a pas cette manière. Quand tu demandes de faire quelque chose, tu dis ce que tu as fait. Faut pas m'attendre à parler. Tu vas te dire que non, c'est moi qui mets les paroles dans ta bouche. Je n'aime pas cette manière. Il dit à quoi, n'a pas de mais un mot. Ils ne sont pas en train de s'amuser. Elle a mangé tout ce qu'elle a dans son ventre. Voilà, mon amour, elle est bien dit. Elle était seule qu'elle mangeait. Elle est seule pour manger. Oh non, on dit qu'il est à côté. Elle était combien? Aïe. On est à Bouya. La famille n'est pas. Combien? Aïe. Elle dit 4 personnes. 9. On n'en est pas sur moi. Il est bon. Ça fait 7 personnes pour le moment. Elle est quoi là-bas? On a mangé le maman. Ma bouddhi. Elle est là et puis on est là. Tu vois une sorcellerie là, c'est un prévoir pour quelqu'un. Tu as vu non? Tu veux pas la. Attends. Il faut lui dire. Ça n'a pas été parti. Parler, on n'a qu'à partir. Elle est reine. Elle est reine. Quoi, 4 au grand maman?
Donc, je piwa. Sorcellerie, on s'assoit pas vite. Quelqu'un va venir te nourrir. Il y a des fois que le paille va gagner des pommes. Ou à 4 degrés, la matière ou ouvre. Qui ou ouvre à ma 4 degrés. Non, il ne faut pas dire qu'il faut répondre. Ah non, ah non. Demain, si c'est super ou bien. À ma 4 degrés. À ma 4 degrés. Donc, attends. Donc, on te force pour parler. Je ne sais pas. Comment on a maudit plutôt? Maudit, elle est maudit, elle est maudit. Elle est quoi là-bas? On a beaucoup de maudit, mais moi non, moi non, moi non. Elle est tue. Elle est tue. Pour les manger, pour les tuer. Maintenant, elle les tue comment? Mais tu fais quoi pour l'attraper? Ça, c'est ce mot que Elle va le transformer. Elle a encore à quoi lui? Elle va se déplacer. Comment elle se déplace pour aller vers lui?
Faut bien expliquer. Toi, tu es homme. Tu devais après Ibo. Tu fais comment pour devenir Ibo? Elle a dit, quand tu fais la sorcellerie, tu te transformes. Mais comment elle fait pour se transformer? Elle dit quoi? Bah, t'as tous ça, non, t'as tous ça, tu vas voir. Ah, tu me l'as montré, ah, tu as fait quoi, lui, là? Mal, tu as gâté son argent. Comment? Ça, c'est vraiment qui est dans mon équipe. C'est vrai, oui, il est en train de mentir. Tu dis la vérité. Comment tu as fait? Pour lui demander la force pour parler ou bien ce qu'elle dit la vérité. Demande-lui. Moi, je me force. Comment tu as fait? Ça va mal. Faut expliquer. Ça va mal. 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 Ça va Elle dit que comment il trouve l'argent lui dans le bac. Tu lui donnes pas l'argent lui là. Tu peux pas mentir comme ça. Donne lui quand il gagne là, il doit te donner. Il n'est pas marié. Non, attends, il faut que. Donc, il ne faut pas donner à sa femme, il n'a qu'à te donner l'argent. Hein? Sa femme, il n'a qu'à la laisser, puis c'est toi qui lui donner. Comme tu l'as marié là. Hein? Tu me regardes les yeux du sorcier. Tes yeux là, ça ne m'aurait pas. T'as dit quoi? Tu es sa maman, non? Tu dois porter son âge, pratiquer son âge. Elle dit si elle le laisse, il va avoir l'âge. Tu vas le laisser. Voilà, quand on va bien, après, 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 après
Vous êtes mon maman, c'est vous qui gâtez, vous nous gâtez. Tu as fait quoi encore? Vraiment, nous m'en nous sommes. Maman, nous m'en nous sommes. Regarde là-bas. Il y a les Elle n'a pas l'argent. Tu as attaché où? Maman de Guam. Maman de Guam. Je n'ai pas encore paniqué. Bon, non, c'est ok. Regardez là-bas, monsieur. Adressez-vous. Puis regardez devant là. Dites vos noms et comment vous appelez. Je suis Oukien Yao. Je suis insensé. Je suis venu pour me faire délivrer car ce que j'ai fait, j'ai mal fait. J'ai tué. Tu viens d'où d'abord? Je viens de Dapo. J'ai tué. Je suis un homme qu'on envoie pour tuer les gens. Tu as tué combien? J'ai tué 35 personnes. Combien? 35 personnes. 35 ou 35? 35. 35 personnes. Oui. Comment tu les tues? Je les transforme en animaux et je les tue. Comment? J'appelle leur âme. Et ils sont où? Toi, tu es où? Tu appelles les âmes? Je suis, des fois je suis à la maison, j'ai un canari. J'ai un canari. C'est comme un miroir. Je regarde et je vois. Faut expliquer ça, explique ça très bien. Tu dis que tu as quoi à la maison? J'ai un canari. Explique rien. Le canari, c'est sous forme de miroir. Ouais. C'est là-bas, je regarde. Ouais. Et puis j'ai une colle. Ouais. À des flèches de gens. Ouais. C'est ça, je prends pour tuer les hommes. Tu prends le plus. Quand tu le vois, tu le tires. Bah, quand je vois maintenant, je tue. Ah, donc quand les gens sont là, tu peux appeler quelqu'un qui est aux États-Unis, le voit dans les Canaries, c'est ça? Si. Il y a des gens qui ne croient pas la sorcellerie. Qu'est-ce que toi tu peux dire aux gens qui ne croient pas la sorcellerie? Ceux qui sont en train de dire que tu es bête, ce que tu dis n'est pas vrai. Ceux qui ne croient pas la sorcellerie, ceux qui mentent. La sorcellerie existe. Donc tu es sorcier? Si. Tu as fait quoi après tuer les gens? J'ai tué. J'ai même gâté la vie de mes enfants. Explique très bien. J'ai tué des hommes. J'ai gâté la vie de mon fils. Oui, comment tu as tué la vie de ton fils? Bon, il devait travailler puisque j'ai mangé la chair humaine d'un... Tu as mangé pour quelqu'un? D'un professeur. Tu as mangé la chair humaine de quelqu'un? Regarde là-bas. Professeur. Donc, bon, moi j'ai lui... Tu es professeur là, tu manges? Je lui ai dit de ne pas... La chair de qui, professeur? D'un professeur. Qui t'a donné professeur manger? Bon, c'est... Le groupe dont je travaille avec eux. Et donc toi tu es patron? C'est la femme d'un monsieur. D'un monsieur, comment il s'appelle? Il s'appelle Bourjonas. Hein? Bourjonas. Bourjonas. Oui. Tu travailles lui? Si. Il a tué son enfant, tu as mangé? Si. Ok, explique. Oui, comme j'ai mangé la chair de son enfant, si pour moi travaille maintenant, on doit le tuer aussi pour que je rembourse. Oui, pour toi. Il est là. Viens. Regardez là-bas. Il a été renvoyé trois fois sur cela. Je n'ai pas voulu. Non, expliquez bien. Je n'ai pas voulu qu'il travaille. Non. Tu dis qu'il a été renvoyé trois fois. Trois fois. Comment il a été renvoyé trois fois? Bon. On peut t'amener expliquer un peu. Toi, tu travailles où et où? Regarde là-bas. Je travaille à l'ONUCI. J'ai fait vraiment du fait au dîner. C'est l'ONUCI qu'on connaît là. L'ONUCI, oui, qu'on connaît. En tant que. Un pompiste. Un pompiste, oui. À moi, je n'étais pas encore responsable. Quand je suis allé au dîner comme responsable du dîner, j'étais le chef de ma station. Okay. Et de là, il est venu en complicité avec la femme qui j'étais en sorcellerie. Ma prophétesse m'a appelé pour dire que non, la femme qui est à côté de toi,
fuira de toi lorsque tu seras envoyé. Mais elle avait masqué le nom de mon papa. Parce que si elle me disait que mon papa était dedans, elle me fâchait contre lui. C'est tout récemment, quand je l'ai appelé pour dire que non, j'avais dit que c'était ma femme seule, or mon papa était dedans. C'est là qu'elle a dit non, je ne pouvais pas décliner facilement la face de ton papa. Que c'est lui-même qui est avec ta mais femme. Mais c'est dangereux. C'est quelle révélation ça? Vous donnez une révélation, dites aux gens, peu importe ce que ça va faire. Vas-y. Et c'est ici, quand je suis allé au bureau le matin, le commandant du camp m'a appelé et il m'a dit comme ça que... Ton contrat est fini. Mon contrat est fini. C'est ainsi de faire partie de la famille à moi. Et un mois après, je les ai retrouvés. Maintenant, quand j'essaie de monter les projets... Ça se gâte. Ça se gâte, ça se gâte, ça se gâte jusqu'en prison. Monsieur, c'est vous qui avez fait ça? Si. Regardez là-bas. Comment vous avez fait? Comment vous êtes arrangé pour aller gâter son travail? Bon, on m'a demandé de lui donner... Pour... Je sais. Comment tu as fait pour gâter? Oui, j'ai... Je suis allé à Mans. Comment? Je suis allé à physiquement. Je vous arrête tout là une fois? Je suis allé à Mans. Oui. Je lui ai trouvé. Après la naissance de mon fils. Oui, il est arrivé là-bas. Je l'ai appelé pour venir voir son petit-fils. Où les parents là? Donc tu es appelé de venir voir ton petit-fils. Si. C'est là que tu vas le mettre beurre dans les yeux. Si. Oui, allons-y. Après, j'ai gâté la vie de... Non. Quand tu es arrivé là-bas... Je suis arrivé là-bas. Bon, j'ai fait 2 jours. Oui. Quand je devais me retourner... Non. Tu as fait 2 jours et tu as fait quoi pendant les 2 jours? J'ai fait 2 jours. C'est quand tu m'as accompagné maintenant de... Quand je devais faire le retour, je lui ai donné la main. C'est en donnant la main que je lui ai arraché tout cela. Le travail. Faut bien expliquer. Il t'a invité voir ton petit-fils qui vient de naître, c'est ça? Si. Ok, pour dire, ah, voici ton petit-fils. J'ai vu le petit-fils. Tu lui as donné combien pour retourner? Pour retourner, bon. Il t'a donné un peu d'argent, tu as donné un peu d'argent? Il a remis ça à son petit-fils. Non, toi, tu lui as donné le transport, non? Lui? Oui. J'ai fait son transport. Ah, tu as fait ton transport? Oui. Okay. Maintenant, lui, il veut te dire au revoir. C'est dans au revoir, là. Quand il m'a donné la main. Il t'a donné la main comment? Explique, il faut expliquer. Voilà, monte. Quand il m'a donné oui, monte, explique la main. Voilà. Et puis, tu as fait comment? C'est là, j'ai pris sa chance. Tu as pris ça comment? J'ai pris ça en sorcellerie. Comment on prend en sorcellerie? Il dit, bon, quand tu vas... Tu as parlé pendant que lui te disait au revoir, papa. Oui. Toi, tu t'en es de gâter. J'ai dit, bon, quand tu vas maintenant, il faut qu'on te revoie du travail. Toi, ton au revoir, c'est gâté. Et il est parti, c'est gâté, c'est ça? C'est là, c'est les choses, on n'est plus allé. En ce moment, c'était plus trop ça. Oui, au travail. Mais il a déjà gâté, la machine était déjà en marche. Et de là, on m'a affecté à Oudiné. Oui, c'est là-bas, Oudiné, maintenant, c'est l'accomplissement. Là-bas, maintenant, ils ont accéléré. Accéléré le processus. Et c'est toi qui as fait ça? Si. Et tu as fait quoi encore? J'ai aussi gâté l'école de 3 enfants, qui sont les enfants de mes frères. À chaque fois qu'ils étudient, je m'approche et j'écoute, je fais semblant d'écouter. Regardez là-bas, regardez. Je fais semblant d'écouter. Et maintenant, quand j'écoute, c'est là que je prends les chances. Et je gâte leur avenir. Je fais semblant de les écouter. Donc tu t'approches des enfants qui étudient? Oui. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Et je prends maintenant la chance pour amener ça à la société. Voilà. Donc la chance, là, comment tu récupères ça? Je récupère ça par... Quand il parle, je prends le son. Le son, là, vous sentez la chance dedans? Quand il parle, je prends le son et je m'avais commenté ça. Je m'en vais pour reproduire ça. Ah, vous reproduisez ça, vous voyez des choses que l'enfant doit être bien et vous gâtez ça. Si. Vous avez fait quoi encore? Après, vous m'avez invité d'aller tuer un monsieur à Abidjan. Nous sommes allés, on a marqué ces messieurs-là, je ne sais pas comment Dieu a fait. On n'a pas trouvé en place, on les cherchait partout. Bon, on n'en est pas de l'autre, on se retourne. Cette affaire nous a menés jusqu'à la justice, mais heureusement... Oh, donc tout le monde sait que vous êtes sorcier?
Si. Au village ancien. Si. Maintenant, pourquoi ne cherchez pas à faire une église? Pourquoi ne cherchez pas à aller dans une église pour être délivré? Tout le monde sait ça? Non, mais il n'y a pas d'église pour la sorcellerie. Non, pas l'église de la sorcellerie. Pourquoi vous n'allez pas vers les hommes pour vous faire délivrer? Il y a longtemps que j'avais l'idée, mais je n'avais pas trouvé une bonne personne pour me faire délivrer. Donc tu continues à faire des dégâts? C'est ainsi que j'ai compris que... On dit dans toi, tu m'as dit que tu n'aimais pas les prophètes, tu n'aimais pas les hommes de Dieu. Ouais, ça, c'était avant. Hein? Ça, c'était avant. C'est depuis quand tu as commencé à les aimer? Pas longtemps. De quel jour tu as commencé à les aimer? C'est à partir de 2017. Vous êtes allé là? Ça fait trois jours maintenant, deux semaines. Surtout le mois de février. J'ai appelé mon fils, je lui ai dit, bon, viens, on va aller avec. C'est lui que vous appelez? C'est lui, oui. C'est lui que vous appelez? C'est lui qui m'a appelé. Il dit quoi? Au fait, j'étais à Abidjan. Et ça prend pas. J'étais à Abidjan, il m'a appelé, il dit, fils, j'ai mangé la viande d'un professeur, j'ai mangé la viande d'un gendarme. Voici pourquoi je n'ai jamais voulu que tu passes le concours de la gendarmerie, parce qu'une fois que tu t'es admis, on allait te renvoyer. Donc il y a plusieurs fois passé sur ce concours, ça n'a jamais pris. Et je te l'ai dit, bon, comme c'est une question sérieuse, je vais me déplacer, on va se rencontrer à Divo, là comme ça on va chercher une solution à prendre. C'est là je lui ai dit, mais est-ce que tu es prêt à quitter la sorcellerie? C'est lui qui m'a dit oui. Bon, puisque en 2016, il y a l'un de mes petits qui me dit qu'il y a un prophète du nom de Crasso à Divo, voilà, qui délivre les sorciers. C'est ainsi que je suis venu et à vue voir, il m'a tout expliqué. Il dit, mais toi-même, tu dis quoi? Il dit, oui, vraiment. Compte tenu du dégât que j'ai fait, et plusieurs fois, j'ai tenté de te tuer à trois reprises, je n'ai pas pu. J'ai eu confiance et j'ai eu l'amour de te protéger. J'ai dit, mais si tu as eu l'amour de me protéger, qu'est-ce qui t'a repoussé à me livrer en Pâques? Il dit, c'est ainsi maintenant. Et comme il voit que vraiment, s'il me tue, c'est pas bon. Là, on est venu chez le prophète Crasso. C'est ainsi de lui-même. J'ai dit, bon, si c'est comme ça, ça m'arrange. Venons. Et c'était là nous sommes arrivés. Vous avez bien saisi, hein? Il n'a rien à voir avec. Souvent, les gens pensent qu'on fait des montages. Vous avez vu? On n'a rien à voir avec cette histoire. Non, on ne les connaît pas. Vous savez, et puis, à part ceux-là, il y a d'autres personnes qui sont victimes de ça. Ouais. Ils sont la lumière. Ils n'en parlent pas, mais ils souffrent. C'est ça que Dieu nous a permis de créer ce centre-là pour délivrer ceux qui sont victimes. Tu vas les libérer? Si. Et c'est toi, tu vas les délivrer? Tu vas les libérer? Si. Tu es obligé, ça? Tu veux ou pas? Tu es obligé de les délivrer. Je veux, c'est pour cela que je vais. Et où est Flèche là? Flèche là, c'est resté. Et le Canary Caméra là? Il faut qu'on parte. C'est quel village là? C'est Dako. Voilà, il faut qu'on parte de délivrer. Tu veux délivrer? Papa. Toi, tu as fini la sorcellerie. Je n'ai jamais vu la sorcellerie comme ça. Où on fait dans la journée, où on fait dans la nuit. Tu n'es rien d'un être humain qui paye son plein. Un plat 1000 combien? 200. Il y a quelqu'un où vient, chérie? C'est Foutou. Hein? Un hérisson. Hérisson qui est bien doux là. Sauce au berger. Sauce au berger. Djungle est dedans. Mais là, tu mets qui mange là. Et tu as tué des gens. Et comme ça, tu quittes ici, tu vas faire l'amour à Paris. Les gens pensent qu'ils sont à Paris, ils sont à l'abri de la sorcellerie. C'est mal connaître la sorcellerie. Les pasteurs qui disent non, ne venez pas en Afrique, si vous venez, les sorciers ils vont vous tuer. Mais les sorciers sont là. Pourquoi vous ne les empêchez pas de partir? Sorcier, mais il ne connaît pas, il a vu lui-même visa. Il a un passeport diplomatique. On ne l'arrête même pas. La guerre privée. Il n'y a pas de truc qui va l'arrêter. Hein? Et quand tu vas là-bas, tu l'as marié, personne ne doit s'approcher d'elle. Et comment la société se manifeste? Là. Oh, feu! Allez, allez,
Feu! Allez! Feu! Allez, feu! Oh. Allez! Sors! Allez! Allez, feu! Allez, feu! Allez, feu! Allez, feu! Feu! Allez! Comment? Allez! Feu! Allez! Comment? Allez! Feu! Qui est sali? Esprit de la sorcellerie! Qui est? Libère-moi! Allez! Libère-moi! Allez! Allez! Comment? Allez! Comment? Feu! Allez! Comment? Allez! Feu! Lâche-la! Lâche-la! Esprit de la sorcellerie! Allez! Elle a parlé, c'est ce qu'elle a fait les aveux. Mais il y a les démons dans son corps. Et donc il faut qu'on chasse le démon. Tant que le démon ne sort pas du corps, elle demeure sorcière. Donc c'est une lutte entre le corps et l'esprit. Si l'esprit sort, elle est libérée. Sinon, un sorcier va beau parler. Tant que vous ne le délivrez pas, il est possédé. Sortez! Sortez! Feu! Allez! Feu! Tu vas partir! Tu vas partir! Tu vas la libérer? Oui. Abraham! Cours! Lâche-la! Allez! Allez, lâche-la. Comment allez? Allez, lâche-la. Lâche-la. Tu quittes sa vie. Tu quittes sa vie. Lâche-la. Lâche-la. Allez, le feu sur toi. Le feu. Le feu. Allez, le feu. La puissance de Dieu. Feu. Allez, feu. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Je vous informe que Dieu a donné le pouvoir à l'église. Tout croyant doit chasser un démon. Parce que la sorcellerie, c'est un démon qu'on appelle un esprit méchant qui s'incarne dans des personnes et leur pousse à faire du mal. Même à tuer leur propre enfant. Comment? Oh. Fais! Lâche-la! Lâche-la! Quitte son corps. Libère-la. Voilà, libère-la. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. Tu vas quitter sa vie. Quitte sa vie définitivement. Quitte sa vie définitivement. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Comment le feu? Feu! Allez! Feu! Allez, lâche-la. Je brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir. Allez. Libère-la. 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 Regarde comment des fois tu l'as rendue malheureuse. Tu l'as rendue mal. Allez, le feu. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu. Tu la libères au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Comment? Allez! Allez! Lâche-la! Merci. Lâche-la! Merci, lâche-la! Merci, lâche-la! Merci, lâche-la! Quitte sa vie! Quitte sa vie! Merci, allez! Merci, allez! Le merci, feu! Seigneur. Consume tes œuvres! Libère-la! 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 Au nom de Jésus! Allez! Merci, Seigneur. Allez, le feu! Merci, Seigneur. Allez, le feu! Merci, allez, le feu! Merci, Seigneur. Le feu! Merci, le feu! Merci, le feu! Allez, lâche-la! 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 Lâche sa vie! Merci, allez! Seigneur. Allez! Allez! Libère-la! Tu quittes son corps! Tu quittes son corps! Tu quittes sa vie! Tu la libères maintenant! Tu la libères maintenant! Tu libères sa vie! Toi qui l'as rendue malheureuse! Toi qui l'as rendue malheureuse! Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau, tu libères sa vie maintenant. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus. Jésus. Amen. Jésus. Amen. Jésus te délivre. Amen. Jésus te délivre. Amen. Jésus. Amen. Te libère. Amen. Jésus te libère. Amen. Jésus te libère. Amen. Reçois ta délivrance. Je vous remercie. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Je vous remercie. Reçois. Merci ta délivrance. Merci reçois Seigneur. Ta délivrance. Merci Seigneur de comment m'avoir libéré. Quitte son corps. Merci Seigneur de m'avoir libéré. Quitte son corps. Merci Seigneur de m'avoir libéré. N'explique pas. Merci Seigneur de m'avoir libéré. Quitte son corps. Explique. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps.
Nous prions pour toutes les victimes. Oui, les victimes. Nous libérons la vie de ses enfants. Nous libérons la vie de ses enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous libérons la vie de tous ses enfants. Au nom de Jésus, à compter d'aujourd'hui, nous libérons la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, pour les enfants qui étaient enchaînés, liés, nous les libérons ce soir. Nous les libérons ce soir. Nous les libérons ce soir. Nous proclamons la puissance de Dieu. 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 Vous libérez sa vie. C'est un ordre. Vous libérez sa vie. C'est un ordre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci, quittez définitivement sa vie. Vous libérez définitivement sa vie. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu te libère au ce soir. La puissance de Dieu te libère ce soir. La puissance de Dieu, les chaînes de l'esclavage satanique, quitte ta vie au nom de Jésus, tombe. La puissance de Dieu, la puissance de Jésus te délivre ce soir. La puissance de Jésus te délivre ce soir. Reçois ce soir ta délivrance. Reçois ce soir ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta délivrance ce soir. Reçois ta délivrance ce soir. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Dieu, Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Amen. Dieu te pardonne. Il pardonne tout ce que tu as fait. Amen. Il te délivre aussi. Amen. Il te délivre, y compris toi et tes enfants. Amen. Amen. La puissance Amen. De Dieu Amen. Te délivre ce soir. Amen. Reçois la délivrance. Reçois. Allez, comment reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Jésus te délivre. Merci. Tu ne seras plus malheureux. Merci Seigneur. Jésus te délivre. Jésus te délivre. J'ai plein de joie. Jésus te délivre. 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 Reçois ta délivrance. Comment tu vas sentir l'envie de voler. L'esprit va partir. Comment allez. L'esprit encore dans ton ventre. Il va partir. L'esprit encore de ton ventre. Il va partir. L'esprit 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 va partir. Oui, l'esprit te délivre. Il quitte ta vie. Il quitte ta vie. Descendez son t-shirt. L'esprit te délivre. Descendez son t-shirt. Descendez son t-shirt. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance. Nous te délivrons en tant que victime, en tant qu'une sorcière. Merci Seigneur. Voilà, on ne t'expose pas comme une merci, personne. Seigneur. Nous te délivrons ce soir. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, nous, Seigneur. Nous condamnons l'esprit merci, qui est en toi Seigneur. Et nous le chassons par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Merci, nous le chassons aujourd'hui pour que tu ne sois plus esclave et maître du diable. Qui ne te manipule plus. Amen. Qui ne t'utilise plus. Amen. Pour détruire la vie de tes Amen. Enfants. Dites Amen. Détruire. Dites Amen. Dites Amen. La puissance Amen. De Dieu. Amen. La puissance de Jésus-Christ. Tu ne seras Amen. Plus esclave de Dieu. Comment le feu. Amen, papa. Le feu. Amen, la puissance papa. De Dieu. L'esprit est dans ton ventre. Merci, papa. L'esprit est dans ton merci, ventre. Papa. Toi qui es merci, là papa. Dans son ventre. Merci, toi papa. Qui es dans son ventre. Merci, toi. Papa. Toi incarné dans son ventre. Quitte son ventre. Merci papa. Quitte. Merci papa. Quitte. Quitte, c'est un ordre. Quitte, c'est un ordre. Tu libères son ventre. Tu es là. Tu vas libérer définitivement sa vie. Amen. Tu libères définitivement sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le ventre, je proclame la puissance de Jésus-Christ. Dans ton ventre, je proclame la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Merci, la Seigneur. Puissance de Dieu. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte. Oui, la puissance de Dieu. Jésus touche. Voilà. Voici ton miracle. Voici ton miracle. Voici ton miracle. Voici ton miracle. Merci. L'esprit. Merci, l'esprit te libère. Merci, papa. 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 L'esprit te merci, libère. Papa. L'esprit te merci. Come on! Allez! 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 La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Comment tu te sens? Je me sens léger. Et tu sentais quoi dans tout à l'heure dans ton ventre? Ça brûlait. Ça brûlait. Et qu'est-ce que tu as ressenti après? On dirait à l'autre version. J'ai senti dans moi libre. Je suis libre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je suis libre.
pas, non? Je vois quelqu'un délivré. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Pour cette victoire devant une personne. Qu'est-ce que tu peux dire? Parce que tu passes à ce que tu as vécu tout à l'heure. Hein? Je remercie le bon Dieu. Vous avez compris? Je remercie le bon Dieu. Ne voyez pas l'aspect, oh, on l'expose. Ah, elle est en train de parler devant tout le monde. Mais au finish, elle a été délivrée. Merci Seigneur. C'est ce que vous devez retenir. On remercie le bon Dieu qui m'a envoyé ici. On dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Merci Seigneur. Ne voyez pas l'aspect, non. Il est en train d'exposer. Mais c'est une méthode qui a poussé cette dame à être délivrée de l'esprit du mal. De la sorcellerie. Ça va maintenant chez toi? Oui, papa. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oui, papa. Allez vous asseoir, c'est fini. Venez. Viens, viens. J'ai tenu à dire à ses enfants que la dame a été délivrée. Amen. Voilà, a été délivrée. Et il faut l'accepter. Amen. Il faut accepter ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Parce que. Hé, va t'asseoir. Elle est guidée où? Ici. T'es guidée ici. Va ici. On te dit de parler, tu vas parler, on te force ou bien? Hé, hey, ces enfants-là, amenez-les là ici. Va ici. Ils ne forcent pas quelqu'un. Allez, va. Va. Ils ne forcent pas quelqu'un. Allez, tu vas parler, va. Ça va? J'ai donné à dire à ses parents, à ses enfants, que vous avez vécu la délivrance en direct. Maintenant qu'elle est délivrée, vous devez laisser Dieu accomplir ce qu'il a décidé d'accomplir dans la vie de votre maman. Voilà. Amen. Amen. Voilà, va t'asseoir, que Dieu te bénisse. Merci, papa. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il faut être tout amour. Il faut atteindre des pieds d'amour très puissants, très avancés. Il faut accepter des gens avec amour. Il faut accepter parce que Jésus-Christ ne rejette personne. Il ne rejette personne. Quel que soit tes péchés, il te récupère. Il a même dit, il est venu pour ceux qui sont mauvais. Il n'est pas venu pour ceux qui sont justes, pour ceux qui sont mauvais. Tu sais que tu es très dangereux. Vous savez que vous êtes très dangereux. Oui. Hey, feu! Feu, allez! Feu! Comment? Feu! Feu! Allez! Le feu! L'esprit de la sorcellerie. Esprit de la sorcellerie. Toi! Qui est dans ce corps. Toi qui es dans ce corps. Fais sur toi. Feu. Allez. Le feu. Le feu sur toi. Le feu de Dieu consume tes œufs dans ce corps. Le feu. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Esprit de la sorcellerie. Sorcellerie. Oui, esprit de la sorcellerie. Toi qui habites ce corps, tu le quittes maintenant. Tu le quittes maintenant. Feu! Allez, feu! Allez, feu! Le feu sur toi! Le feu! Vous allez voir une bonne personne parler. J'ai tué. J'ai fait ceci, j'ai tué, j'ai gâté. Tant que vous ne le délivrez pas, il est sorcier. Parce que les aveux ne délivrent pas une personne de la sorcellerie. Parce qu'avant qu'elle soit sorcière, elle est possédée d'un esprit. La preuve, c'est qu'il a dit à son fils. Mais après l'avoir dit à son fils, il est toujours sorcier. Donc il faut qu'on procède à sa délivrance. Sors. Sauf qu'ici, c'est une école. Feu. Quitte son corps. Quitte son corps. C'est un ordre. Quitte son corps. Quitte son corps. Tu vas le libérer maintenant. Tu m'attends? C'est un ordre. Tu vas le libérer. Tu vas partir de sa vie. Tu vas partir de sa vie. C'est un ordre. Tu vas quitter sa vie. Feu sur toi. Allez. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le.
Le feu. Le feu. Le feu. Consume tes œuvres. Au lieu de les tuer, envoyez-les sinon les délivrer. Vous avez compris? Si vous trouvez un sorcier, envoyez-le le délivrer. Parce que même tuer quelqu'un qui est sorcier, c'est commettre un crime. Envoyez-le le délivrer. Nous, on préfère les délivrer pour qu'ils soient utiles à la nation, pour qu'ils soient encore utiles à leur famille. Parce que quand vous les entendez parler, j'ai été initié. Le fait d'être initié n'a pas acheté la sorcellerie, mais on peut les délivrer. Feu! Quitte son corps. Quitte son corps. Aucun démon ne doit vous effrayer si vous avez Jésus-Christ. Amen. Amen. Aucun esprit ne doit vous effrayer si vous avez la puissance de Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir, son nom. Comme lisait Luc 10, le verset 19. Nous avons le pouvoir de Jésus-Christ. Aucun démon ne peut résister au nom de Jésus-Christ. Lâche-le. 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 Oui, lâche-le. 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 Le feu sur toi. Tu m'attends? Le feu sur toi. Tu m'attends? Le feu. Le feu. Tu vas le quitter. Tu vas quitter sa vie. Tu vas quitter sa vie. Tu vas quitter sa vie. Oui, tu vas quitter sa vie. La puissance de Dieu écrase ton pouvoir et dans ce corps. Come on! Allez! Quitte sa vie. Quitte sa vie. Ton papa sera délivré, monsieur. Mon fils, ça va? Il sera délivré. C'est qui en lui, là? C'est celui qui donne l'envie de manger la chair humaine. Comprenez? C'est ce qui est en lui. Amen. C'est ce qui est en lui qui fait de lui mauvais. Or, le corps d'un être humain n'est qu'une enveloppe. Et en lui, un esprit. Tant que l'esprit n'est pas chassé, il ne devient plus un père normal. Mais un père qui peut manger son fils et un seul qui est de nous. Avec Kachika Boudjama, des ébriers. Feu! Comme un père peut regarder son fils, il dit, ben, je garde son travail. Il va manger quoi ton fils? Le feu sur toi. Le feu sur toi. La puissance de Dieu. Oui, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Lâche-le. Allez. Allez. Le feu. Feu. Allez, feu. Feu. La puissance de Dieu. Lâche-le. 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 Jésus t'a vaincu. Esprit de la sorcellerie. C'est un faux message quand les gens disent les sorciers ne peuvent pas être délivrés. Ils mentent. Bien aimé, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Peu importe l'état, peu importe ton péché, Dieu peut encore te sauver. Dieu peut encore délivrer un sorcier, faire de lui un puissant. Nous connaissons des pasteurs, un sorcier, qui sont devenus pasteurs. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais il est venu pour les malades. Jésus se considère comme un médecin qui doit guérir les malades. Or, la sorcellerie, nous voyons ça comme une maladie. C'est une maladie. Tu n'es plus maître de ta volonté. Le feu sur toi. Allez! Lâche-le. 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 Tu vas partir et le libérer. Tu vas le libérer. Tu vas le libérer. Tu vas le libérer. Feu! Allez! Feu! Allez! Ah, les gens disent non. Chez nous ici, là, à l'église, on enseigne seulement. On ne fait pas de délivrance. Mais vous avez raté le message de Jésus. Jésus-Christ n'a pas fait qu'enseigner, il a délivré les gens. S'il n'y a pas de miracle, sortez de l'église. Toi, tu es malade. Et puis, on ne prie pas pour toi. On t'enseigne. Ça va rentrer où? On est sorti en train de manger. Et puis on ne te délivre pas. S'il n'y a pas de miracle, c'est que Jésus n'est pas là-bas. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Voici les miracles qui vont accompagner. Donc quand tu es un homme de Dieu, les miracles doivent t'accompagner. Ce n'est pas prêcher seulement, mais les miracles doivent t'accompagner pour attester que Jésus-Christ est ressuscité. Ce qui m'a amené à changer la religion de musulmans à chrétiens, c'est un miracle.
Si j'étais enseignement, jamais il allait être chrétien. J'étais malade, Jésus-Christ m'a guéri. Il dit, bon, c'est toi qui es Seigneur, je te suis. La puissance de Dieu te délivre ce soir. Feu! Allez! Allez! Un monsieur, quand il va dans l'église, vous a enseigné. Quel enseignement qu'il y avait dans sa vie? Il est possédé. C'est sur la puissance de Dieu. C'est sur le miracle de Dieu. Parce que la transformation d'un cœur, c'est un miracle. De la délinquance, de la criminalité spirituelle à la conversion, c'est un miracle de Jésus-Christ. La puissance de Dieu te libère ce soir. La puissance de Dieu te libère ce soir. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Tu veux être délivré? Demandez-lui, elle veut être délivrée. Viens ici. Tu veux être délivré? Est-ce que vous comprenez? La puissance de Dieu. La puissance. C'est toi qui as Air Top là. Air Top là. Les gens Air France, Air Bruxelles, Air Côte d'Ivoire. Toi, tu as Air Top là. Tu voyages si balai. Tu es sûr de la Air Top là. Top là. Son village est Top là. Donc, Air de là-bas, là, c'est ce qu'elle est là. Nous, on a Air Côte d'Ivoire, Air Bruxelles. Non, elle dit, ouais, elle est top là. Tous les aides du vol sont cassés. On a tout guidé, tous les puits d'atterrissage. Où est elle top là? Ah, viens, mon ami. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. Hey! Le feu. Allez. Sortez-là. Nous ici, nous délivrons les sorciers. Nous les délivrons. Voilà. Nous les délivrons pour qu'ils soient utiles à leur famille. Allez, feu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance. Comme il dit à mon nom, vous chasserez les démons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Marc 16, vous comprenez à partir du verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À un moment, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si tu as cru en Jésus, les miracles doivent accompagner ton ministère. Il n'y a rien de démoniaque ça. C'est la parole de Dieu qui attend de s'accomplir. En effet, Jésus qui n'a pas fait qu'enseigner, il a délivré ceux qui sont possédés. Feu! C'est la possession démoniaque qui pousse ces personnes à manger leurs proches. Le feu sur toi. Le feu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus-Christ. La puissance de Dieu. Allez. Feu. 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 C'est des démons qui se manifestent. Démons. Celle-là, tu l'as rencontré la nuit, toi seul. Oh non, la sauce jungle, c'est fini. Ou bien sauce copain. Elle va te manger vite, 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 vite. La vieille. Elle seule te mange. Actuellement, elle est en carême. Elle a fait des jours sans manger. Elle est trop là à la laisser. Elle s'envole plus. Feu! À cause de vous, on ne peut plus envoyer les petits enfants. T'as un petit enfant au village, ils vont lui donner ce qu'on ne donne pas aux gens. Bébé mange. L'enfant mange. C'est qui va te montrer ton papa la nuit. Quand il mange, c'est papa qui veut manger. Quand les initiés naissent, c'est maman ou papa qui veut manger. Feu! La puissance de Dieu. Vous devez soutenir notre ministère. Ça, c'est très important. Parce que nous dépoupons le royaume de Satan. Vous devez soutenir ce ministère. Vous devez prier constamment pour ce ministère. C'est un visage découvert que nous déclarons la guerre au diable. Jamais Satan n'a attaqué Satan. C'est le miracle de Dieu qui s'accomplit dans ce ministère. La parole de Dieu qui déclare dans le livre de Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Quand on a la puissance de Dieu, on a mesure de chasser un démon. Parce que l'esprit de la sorcellerie, c'est un démon. Sors d'elle.
Sors. Allez. Sors d'elle. Tu vas la libérer. Dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Oui, monsieur. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. Bah, allez! Lâche-le! Lâche-le! Allez! Lâche-le! Allez! Libère-le! Allez! Allez! Libère-le! Allez! Libère! Libère-le! 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 Reviens! Allez! Ici! Allez! À genoux! Allez! Frère sur toi! Le feu consume tes œuvres. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit consume tes œuvres dans ce corps. La puissance de Dieu consume tes œuvres dans ce corps. La puissance de Dieu. Nous nous tenons tous debout, tout le monde. Nous allons commencer à prier. Nous prions tous. Tu vas mettre la main sur ta tête et commencer à prier pour ta propre délivrance. Tu vas commencer à prier pour ta propre délivrance. Tu vas demander au Seigneur de décanter ta situation. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à comprendre. Les affaires sont bloquées dans ta vie. Tout est bizarre. Tu n'arrives plus, tu sais même plus mettre la tête. Tout est devenu bizarre dans ta vie. Tu vas commencer à prier que la puissance de Dieu vienne te libérer. Tous ceux qui sont là-bas, du blocage concernant ton foyer, ton mariage, ton succès, oui, ton emploi. Tu vas commencer à prier que la main de Dieu vienne te délivrer. Prions le Seigneur. Nous prions la puissance de Dieu. Tu peux les passer. La puissance de Dieu, 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 la puissance.
soir. La main de Dieu vous restaure ce soir. Recevez le miracle de Dieu. Reçois ta délivrance ce soir. Là où tu es arrêté, la main de Dieu te touche. Les chaînes de la maladie tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Reçois. Reçois. Le feu. Le feu. Recevez le miracle de Jésus. Reçois le miracle de Dieu. Recevez le Saint-Esprit te visite là où tu es assis. Là où tu es assis, la main de Dieu te touche. Recevez le miracle de Jésus. Recevez le miracle de Jésus. Recevez, reçois ta délivrance. Une action spéciale qui te passe sur toi ce soir. Une action spéciale qui te passe sur toi ce soir. Une action spéciale. Retombez les chaînes de la mort, les chaînes du célibat, les chaînes de la maladie. Négligez, feu, feu, feu. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois. Reçois ton miracle ce soir. Reçois ton miracle ce soir. Reçois ton miracle ce soir. Une onction de Dieu est déployée ce soir. Reçois ton miracle ce soir. Reçois ton miracle ce soir. Le miracle de Jésus. Recevez la délivrance ce soir. Recevez la délivrance ce soir. Le roi des rois pour ta délivrance. Je te demande d'acclamer l'Éternel, le Dieu vivant. Acclame Jésus plus fort, plus fort, plus fort. Alléluia. Alléluia. Voilà, tu vas reprendre ta place rapidement. Une annonce capitale pour toi.